Bienvenue à la ressourcerie de l'écrivain. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog lecture pas à pas que j'ai envie de retourner là parce que après la lecture du premier tome, ça me manquait. Je vous parle de la trilogie d'une nuit d'hiver de Catherine Harden que je peux vous montrer maintenant sous forme de livre parce que je les ai eus en fait. Je les avais déjà en numérique mais on me les a offerts pour mon anniversaire il y a 2 mois. Donc, j'ai déjà fait un vlog lecture sur le premier tome qui s'appelle L'ours et le rossignol. Donc c'est aux éditions Folio SF, ouvrage précédemment publié dans la collection Lune d'encre. C'est une traduction de Jacques Collin et l'illustration de couverture est d'Aurélien Polis, qui je pense est le même pour les 2 tomes suivants. Donc le tome 2 c'est La fille dans la tour qu'on va lire aujourd'hui. Toujours même traducteur et même illustrateur. Et le dernier tome, c'est L'hiver de la sorcière. Les illustrations sont magnifiques. J'adore. Je suis très sensible à ça. Je vais aider mon chat à monter sur le canapé. Tu vas faire coucou? Viens. On fait coucou? Ah, on fait coucou, mon bébé chat. Regardez comme elle aime pas être portée. Il y a un truc magique. Ce petit chat, en fait, il lui manque la patte arrière gauche. Donc, quand on la gratte à gauche, c'est l'orgasme absolu. Donc là, je peux lui faire ce que je veux. Attention, elle va montrer qu'elle n'est pas contente dès que je vais la lâcher. 1, 2, 3. Ah, je ne suis pas contente. Donc, c'est Félicie. C'est ma mémé chat. Donc, j'ai déjà réalisé un vlog lecture pas à pas sur le premier tome qui s'appelle L'ours et le rossignol. Ils sont tous à peu près de taille équivalente, autour de 300-400 pages, 400 plutôt. Et je vais donc vous lire le résumé du second tome. Je vous conseille évidemment de regarder le vlog lecture du premier tome pour ne pas que ce vlog vous spoil le premier tome. La cour du grand prince à Moscou est gangrénée par les luttes de pouvoir. Pendant ce temps, dans les campagnes, d'invisibles bandits incendient les villages, tuent les paysans et kidnappent les fillettes. Le prince Dimitri Ivanovitch n'a donc d'autre choix que de partir à leur recherche s'il ne veut pas que son peuple finisse par se rebeller. En chemin, sa troupe croise un mystérieux jeune homme chevauchant un cheval digne d'un noble seigneur. Le seul à reconnaître le garçon est un moine, Sacha. Et il ne peut révéler ce qu'il sait. Le cavalier n'est autre que sa plus jeune sœur qu'il a quittée il y a des années, alors qu'elle n'était qu'une fillette, Vassia. Ah, La fille dans la tour est le deuxième tome de la trilogie du Nuit d'hiver, mais peut se lire indépendamment. On y retrouve toute la poésie et la sombre cruauté des contes russes qui ont fait le succès de L'ours et le rossignol. Il y a une citation d'Alexandre Pouchkine. La tempête qui aveugle le ciel de ses flocons tourbillonnants, ici hurle comme une bête et là crie comme une enfant. Elle s'engouffre sous le chaume de notre vieux toit branlant et soudain frappe à notre fenêtre, tel un voyageur égaré, implorant. Et bien ça donne envie de lire Alexandre Pouchkine tout ça. Il y a un index, il y a une petite note sur les noms russes, donc les prénoms, les surnoms, mais que je ne vais pas vous lire. Et je vais juste vous lire le prologue qui fait une page et demie, à peine, qui est très court. Dans une forêt, en pleine nuit, une jeune fille chevauchait un cheval bai. La forêt n'avait pas de nom. Elle était située très loin de Moscou, très loin de tout, et l'on n'entendait que le silence de la neige et les bruissements des arbres gelés. Il était presque minuit. Cette terrifiante heure magique, dans cette nuit que menaçaient le froid, la tempête et les profondeurs d'un ciel aveugle. Et pourtant, la jeune fille et son cheval progressaient à travers les arbres obstinément. La glace recouvrait la mâchoire du cheval et la neige s'accumulait sur ses flancs. Mais ses yeux étaient doux sous son toupet couvert de neige et ses oreilles s'ébattaient joyeusement en avant et en arrière. Leurs traces s'étendaient loin derrière, à moitié avalées par la neige fraîche. Soudain, le cheval s'arrêta et releva la tête. Devant eux, au milieu des arbres qui oscillaient, était apparu un boquetot de sapins. Leurs branchages plumeux s'entremêlaient et leurs troncs étaient tassés comme des vieillards. Les bourrasques se firent plus violentes. La neige envahit les sourcils de la jeune fille et sa capuche. Il n'y avait d'autre bruit que le vent.
Puis, « Je n'arrive pas à la voir, » dit-elle au cheval. Le cheval agita l'oreille, chassant la neige. « Peut-être qu'il n'est pas là, » ajouta-t-elle, sans trop y croire. Des murmures proches du chuchotement parurent emplir l'obscurité au sein des conifères. Comme si ces paroles avaient été un appel, une porte au milieu des sapins, une porte qu'elle n'avait pas vue, s'ouvrit dans un craquement de glace brisée. La traîne de la lueur d'un feu écharpa la neige vierge. Maintenant, manifestement, une maison se trouvait là. De longs avant-toits incurvés coiffaient ces murs de bois, et dans la lumière emplie de neige, la maison semblait respirer, tapie entre les arbres. La silhouette d'un homme apparut dans l'ouverture. Les oreilles du cheval se tournèrent d'un coup. La jeune fille se raidit. « Entre, Vassia, » dit l'homme. « Il fait froid. » Alors, c'est un livre qui est séparé en trois parties. La première fait à peu près une petite trentaine de pages. La seconde, une petite quarantaine. La troisième, une centaine. Et la dernière, à la louche, une quarantaine de pages aussi. Je vais donc faire un checkpoint à la fin de la première partie, à la fin de la deuxième, au milieu de la troisième partie, à la fin de la troisième. Un avis, en fait, une fois que j'aurai lu l'ensemble. Ce qui fait qu'on va, on va voir en combien de temps je vais le lire. Donc là, il est mercredi 16 décembre, 16h50. Je pense que ça va se lire très vite. Si je repère des... Je l'ai aussi en version numérique, ce qui fait que là, je vais prendre le temps de souligner des citations que je trouve jolies. Je pense que je pourrais clairement tout souligner tellement j'aime beaucoup la plume de Catherine Ardenne. Mais je vais être sage et je vais essayer de vous trouver des citations qui sont sympathiques pour vous donner envie de la lire. Et voilà, donc on se retrouve tout à l'heure sur le premier checkpoint de La fille dans la tour. Et je fais un grand sourire avec le livre en disant « Miniature !» pour la chaîne YouTube. Vous avez vu comme je suis maline? Allez, à tout de suite. Honnêtement, mais tout à fait, parce que 48 heures se sont passées depuis la dernière vidéo. Donc, en fait, j'ai bien lu la première partie de La fille dans la tour de Catherine Ardenne, donc le deuxième bouquin de la trilogie d'une nuit d'hiver. Et après, bah, j'ai dû faire autre chose, puis hier j'ai un peu fait autre chose aussi. Aujourd'hui, on a fait un peu les courses de Noël, donc j'ai pas enregistré la petite vidéo pour le checkpoint. Et là, je profite du fait que Margot Liseuse est en train de faire un Read With Me en direct avec des sessions de 30 minutes que je prends un peu en cours pour venir vous faire un petit point sur ce que j'ai lu donc, du début de La fille dans la tour et amorcer du coup la lecture de la suite. Et comme je disais, en fait, je pense que c'est un bouquin que je peux tout à fait dévorer, il n'y a aucun souci. Je comprends du coup pourquoi ils ont dit que La fille dans la tour pouvait se lire indépendamment. Parce que, bon, il s'est passé peut-être 2 mois depuis la lecture du premier, un truc comme ça, 1 mois et demi, 2 mois. Mais j'ai un bon souvenir quand même de ce qui s'est passé par rapport à Vassia, sa sœur, ses frères et tout ça. Et en fait, l'autrice rappelle un petit peu ce qui s'est passé, tout en replaçant les personnages dans leur histoire parce qu'il s'est passé du temps et en injectant en fait ce qui va, je pense, mener, faire partie des intrigues du deuxième et du troisième tome, à savoir qu'il y a, j'ai pas vérifié, je vérifierai sans doute pas, mais les Russes sont ceux qui sont dans l'ouest du pays, tout du moins, subissent des attaques des Mongols, parce qu'en fait, ils parlent bien de Khan, et je suis pas sûre qu'ils s'appelaient comme ça à cette époque-là, parce que là, j'ai l'impression que... Enfin, là, j'ai juste regardé Genghis Khan, à quelle époque c'était, et j'ai l'impression que... Donc, c'est à peu près 13e siècle, et je pense que l'histoire d'une trilogie de nuits d'hiver, c'est un petit peu antérieur, peut-être quelques centaines d'années avant. J'arrive pas à mettre de temporalité, mais bon, est-ce bien important? Non, enfin, pas pour moi. Parce que pour moi, on est plus sur un ouvrage de fantasy, certes historique, mais surtout où la part fantasy est importante. Et j'ai l'impression, en fait, que la part historique va prendre plus d'importance là. Et j'ai toujours la forte impression, en fait, que l'autrice sait parfaitement de quoi elle parle, de son contexte, etc.
et qu'elle a peut-être pas envie de noyer son lecteur de plein d'informations différentes. Mais donc, on retrouve nos différents personnages, à savoir qu'il y a des villages russes qui se font, bah, défoncer par des hordes qui arrivent, enfin des cavaliers qui arrivent et qui repartent très rapidement en enlevant les petites filles et qui rasent les villages. Donc, c'est des villageois qui sont tués, des villages qui sont brûlés. Et s'il y a des survivants, en général, ils ne sont pas en très bon état, surtout que je crois qu'on est au début de l'hiver. Donc, s'il y a un village qui a cramé et que les réserves de bouffe ont cramé, en gros, les survivants, ils vont mourir. Ils vont mourir de faim. Et on retrouve donc, je trouvais ça intéressant parce que ça me faisait, ça me rappelait Catherine Stark, Kathleen Stark, pardon, dans Le Trône de Fer, qui exprimait le fait que quand elle était juste la fille de Lord Tully, puis après quand elle était l'épouse de Ned Stark, quand il y avait une guerre, en gros, elle, son rôle, bah, c'était d'attendre à la fenêtre. Et on retrouve ça avec Olga, si je ne me trompe pas de prénom, qui est la sœur aînée de Vasya. Donc Olga, qui, elle, nous était présentée dans le premier tome comme une jeune fille plutôt jolie, qui avait envie, un peu une Sansa Stark. Enfin, pas si rêveuse que ça, mais en gros, enfin, elle est jolie, elle fait bien les choses comme il faut. Elle a envie d'épouser d'épouser quelqu'un qui a de la fortune, qui est puissant, et sortir un peu de son trou. Elle a bien réussi parce qu'elle a épousé un prince. Je me mélange un petit peu au niveau des princes, je ne sais plus exactement qui c'est qui a épousé qui. Mais donc, elle a épousé un prince, elle a eu des enfants. Donc il s'est bien passé quelques années, hein. Il s'est pas, même pas passé quelques mois parce que je viens de tilter. Les gamins, y en a une, il y en a un qui parle bien. Enfin, la fille aînée parle bien, donc je pense qu'elle a bien lui 6-7 ans, un truc comme ça. Donc il s'est passé quelques années. Et donc elle attend parce que du coup il y a une guerre qui est un petit peu lointaine, parce que ben, les informations circulent lentement. Ce qui est normal parce que à cette époque-là, les informations, c'était un messager, un cheval, et puis youpla. Et le truc que je trouve super intéressant aussi, c'est toujours tout le travail autour de l'hiver et compagnie, et comment la société russe s'est construite dans l'hiver. À savoir que, en gros, en hiver, bah, par exemple, les informations circulent mieux parce qu'ils sortent les traîneaux, c'est les chevaux, etc. Mais l'été, c'est de la gadoue, c'est une galère pour circuler. Et eh ben ça, vous voyez, pour moi qui suis proche de la Bretagne, où quand on a 2 cm de neige, c'est la merde, tout le pays est paralysé pendant 3 jours. Ça, c'est des trucs auxquels je ne penserais pas du tout. Et ça fait vraiment partie. Et jetez un œil à la biographie de l'autrice, hein. L'autrice, elle a vécu en Russie, elle a été enseignante. Elle a beaucoup appris de la mythologie et de l'histoire russe. Elle maîtrise son sujet à fond les ballons. Et on retrouve donc Olga qui attend. Elle attend des nouvelles de son frère. Est-ce que vous vous souvenez? Il y avait Vasya et Olga ont 2 frères qui sont aînés, il me semble bien. Il y a 2 aînés. Il y en a un qui doit être un peu plus jeune, qui doit être adolescent maintenant. Parmi les aînés, il y en avait un qui était plus pieux que les autres et qui avait un peu une ressemblance avec Vasya aussi et avec la maman qui pouvait voir les esprits, parce que lui aussi il voit les esprits, mais lui il a la foi orthodoxe, et ce qu'il voulait faire c'était c'est devenir moine. Donc il est devenu moine, mais il n'a pas prêté ses vœux, ce qui veut dire qu'il est pas il refuse pour le moment de prêter ses vœux, enfin de faire formuler ses vœux, je sais plus comment on dit exactement. Ce qui fait qu'il peut être un peu itinérant et aller là où il y a besoin. Et c'est pas un manche non plus avec un cheval ou avec une épée. Ce n'est pas qu'un moine. Donc, enfin, après, il est décrit comme étant portant la bure, il a la tonsure, il est plutôt. Mais c'est aussi un moine qui attire l'attention des femmes, par exemple, parce qu'il est beau. On a des nouvelles du prêtre aussi, parce que il y a un nouveau personnage qui arrive. Il y a le prince régnant qui est là un petit peu à se goinfrer et à coucher avec des femmes, avec ses seigneurs, les boyards qui sont ses seigneurs les plus proches. Et il y a un nouveau personnage qui arrive, dont j'ai oublié le prénom forcément,
parce que je fais ce vlog-là 2 jours après ma lecture et j'ai une mémoire de poisson rouge. Et ce nouveau, c'est un seigneur ou c'est le fils d'un seigneur, et en fait, il vient avertir qu'il y a des attaques. Et du coup, tout le monde, bah non, c'est pas possible, on paye des tribus, pourquoi est-ce qu'il viendrait nous emmerder? Et bien, parce qu'ils le peuvent, par exemple. Et j'ai l'impression qu'on va commencer à mettre le pied dans des intrigues de cour, que ce soit à la fois, enfin, plutôt en Russie, mais à la fois par ricochet aussi, avec ce qu'il se passe dans les Cannes, parce que de ce qui est dit, le Cannes précédent, il a eu plein d'enfants, il a eu plein de fils. Donc les fils sont en train de se tuer pour prendre la place du Cannes, et après la mort du père, et ce qui fait que la tribu, si elle avait pu être unifiée à un moment, ça s'est éclaté avec la mort du papa, parce qu'il a trop de garçons. Ce qui fait qu'il y a plein de... après, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, les mecs, s'ils ont envie d'aller poutrer leurs frères ou des trucs comme ça, faut qu'ils aient de l'argent et compagnie. J'ai toujours pas capté, par contre, pourquoi ils enlèvent les petites filles. Parce qu'ils enlèvent les petites filles jolies. J'espère qu'on va pas aller vers un truc un peu glauque. Mais je me demandais si c'était pas pour... est-ce qu'ils avaient besoin d'épouses, par exemple? Parce que si ce sont des guerriers ou des mercenaires qui sont loin, loin de leurs épouses, enfin, parce que c'est, ils sont à cheval, hein, ils sont à cheval dans la neige et compagnie, donc ça peut être effectivement pour assouvir leurs besoins. Donc là, on serait du côté du glauque. Mais est-ce qu'ils ont besoin d'épouses? Parce que est-ce que leur mission fait... Mais pourquoi de prendre des filles si jeunes? Enfin, je sais pas. En tout cas, on a le retour aussi de le grand méchant qui était le fameux prêtre. J'ai plus son prénom en tête. C'est peut-être lui, Constantin, j'ai un doute. Le frère de Vassia, Olga, qui est moine, a ramassé un prêtre à moitié crevé de froid et délirant et l'a ramené au palais pour le réchauffer, pour le nourrir et compagnie. Et c'est lui. C'est lui qui a été... Ce qui fait que je me demande, est-ce qu'il y a une ellipse par rapport à la fin du premier livre, ou est-ce qu'il y a un truc que j'ai oublié par rapport à lui? Là, je me pose des questions. Et du coup, on en sait plus sur Vassia aussi. Et on n'en sait pas beaucoup plus sur Vassia, mais suffisamment pour donner envie de lire la suite assez rapidement. Et tu sais ce que je vais faire, du coup, je pense, parce que ça m'intrigue beaucoup. J'ai revu aussi, je vous mettrai la vidéo de Les mots de l'imaginaire, Lorraine Bélès, elle a fait une vidéo d'une dizaine de minutes sur l'ensemble de la trilogie, où elle, qui est un coup de cœur pour elle, ou du moins une très bonne lecture, et je vous la mettrai si vous avez envie de jeter un œil. Moi, c'est pas évident, parce que j'essaie de vous dire quelques trucs, mais pas trop. Après coup de bol, on va dire, comme j'ai une mémoire de poisson rouge, je suis constamment surprise. Non, je dis des conneries. Eh ben, on va se retrouver tout à l'heure. Rebonjour par ici. Je ne parle pas trop fort parce qu'il est tard. Ça dort derrière, c'est ma chambre derrière. Donc j'ai continué ma lecture de La fille dans la tour. Qu'est-ce que je kiffe. Là, on avait une partie sur Vassia, bon, sur ce qu'est devenu Vassia après les événements de la première du premier livre et après le prologue. Et en fait, je trouve que c'est un personnage qui est de plus en plus intéressant, parce qu'on n'est pas dans le côté classique, qui devient classique chiant de la jeune fille qui est pleine de pouvoir, qui est badass et compagnie. Parce que oui, il y a quelque chose, parce qu'elle perçoit les... Enfin, c'est l'une des rares à percevoir les esprits, à pouvoir interagir avec eux, à savoir comment leur demander des choses, etc. Et en fait, le côté badass, elle est courageuse, mais elle a peur. Et elle va apprendre à se battre. Je vous dis pas comment. Il y a aussi tout le développement de la relation avec Morozko. J'ai du mal à retenir les noms, comme c'est pas des noms qui me sont familiers, avec le roi de l'hiver. Et c'est hyper intéressant.
et la partie 2 était une. En fait, parler de Vassia pendant les événements qui sont passés à Moscou avec Olga, ensuite comment dire, au monastère avec le frère, avec Sacha, le frère de Vassia qui est devenu moine, qui est parti lutter contre les Tatars avec le prince Dimitri. Et c'est top, mais qu'est-ce que c'est top! J'ai pris plein de citations, je vais vous en lire quelques-unes qui sont pas trop spoilantes. Regardez, il y a un super résumé de qu'est-ce qu'est Vassia. Elle regardait des choses qui n'étaient pas là, chuchota-t-il. Elle allait dans les bois, mais sans connaître la peur. Partout dans le village, les gens jasaient. Les plus conciliants disaient qu'elle était folle, mais d'autres parlaient de sorcellerie. Elle est devenue femme et, telle une sorcière, attirait le regard des hommes, bien qu'elle ne fût pas belle. Il y a juste un tout petit truc sur le roi de l'hiver. C'est quelqu'un qui. Enfin, là où je rejoins totalement Catherine Ardenne, c'est que moi, dans mon esprit, c'est des lectures qui ont forgé ça en moi. C'est que si on parle d'esprit ou de créature, ou. Voilà, c'est pas vraiment une créature, le roi de l'hiver, mais. Il n'est pas humain. Donc il n'a aucune raison de se comporter comme un humain. Parce que il ne l'est pas. Et comme peuvent l'être d'autres créatures de type. Même des créatures qui ont été humaines, comme les vampires ou les loups-garous, ils ne sont plus humains. Et pour moi, ça c'est un truc qui est vraiment, c'est ancré en moi, le fait que on ne peut pas caler des comportements, des pensées humaines sur des dieux, des figures fantomatiques, sur des figures, on va dire, fantaisie, féerique, fantastique, ou d'autres choses, hein, ça peut être des extraterrestres, des trucs comme ça. Je pense qu'il faut conserver en fait le côté inquiétante étrangeté, bah, qui sont différents de nous. Et en fait, tout le petit côté sportif, à la génétique intellectuelle, à la fois du côté de l'auteur et du côté du lecteur, c'est qu'en écrivant ou en lisant des personnages comme ça, qui ne sont pas humains, on parle aussi de l'humain. Parce qu'on voit un peu au jeu des différences. Une petite citation sur le roi de l'hiver. Entre Bastia avec lui, il fait froid. Si la nuit chargée de neige avait pu parler, elle eût peut-être parlé avec cette voix. Une description de la maison du roi de l'hiver. La maison ressemblait à un bosquet de sapins qui aurait décidé de devenir une maison pour la nuit, mais s'y serait même pris. Des ténèbres luisantes, comme celles de nuages ou d'une lune intermittente. Emplissait les espaces entre les cheveux. Les ombres des branches se balançaient sur le sol, mais le mur paraissait tout de même solide. Le maître de maison ressemblait à un homme, mais ses yeux trahissaient. Lorsqu'il avait parpenté cette forêt pour la première fois, les jeunes filles parlaient une autre langue. Il commence sans Bastia, donc ça c'est moi qui le dis, comme une intruse dans une maison qui n'existait pas. Là, en fait, c'est une série de livres qui parle beaucoup de la place de la femme dans cette société et le rôle qui leur était dévolu. Là, on est dans les pensées de Vassia, se marier ou devenir un homme ou mourir. Voilà ce que signifiait être une femme. On retourne un peu du côté de Chemorosko, le roi de l'hiver. Les serviteurs de Morosko n'étaient pas imbéciles, pas exactement. Du coin de l'œil, Vassia percevait sporadiquement un mouvement ténu, ou une forme ténébreuse. S'il faisait vite, elle pouvait se tourner et entreapercevoir l'image d'un visage, vidé comme l'écorce d'un chêne, ou bouvin, ou grisâtre et grimaçant. Mais Vassia ne les voyait jamais lorsqu'elle les cherchait. Ils évoluaient entre deux respirations,
entre deux clignements des yeux. Un petit échange entre Morosko et Vassia. Que voulez-vous de moi en retour, Morosko? Il avait paru hésiter juste un instant. Pense à moi de temps en temps, quand les personnages ont fleuri et que la neige a fondu. Encore sur leur rapport tous les deux. Il l'avait aidé à se mettre en selle, et elle l'avait soudain vu de haut. D'un coup, il s'était mis à moins ressembler à un homme et plus à une confluence d'ombres à taille humaine. Quelque chose dans son visage l'interloquait. Un truc que dit Morosko, je sculpte des choses en bois, parce que les choses produites par un effort sont plus réelles que celles qui sont faites d'un souhait. Comment il se définit? Je suis comme j'ai été créé, immuable. Il y a bien longtemps, les hommes ont rêvé, une épée dans ma main. Les dieux s'amusent, mais ils ne changent pas. Encore des choses qu'il dit à Vassia. Les choses sont ou elles ne sont pas, Vassia, l'avait-il interrompu. Si tu désires une chose, cela signifie que tu ne l'as pas. Ce qui signifie que tu ne crois pas qu'elle est là. Ce qui signifie qu'elle ne sera jamais là. Le feu est ou n'est pas. Ce que tu as fait de la magie est seulement le fait de ne pas permettre au monde d'être autrement que tel qu'on le désire. Un peu plus loin. Le monde tel qu'on le désire, avait-il ajouté, ce n'est pas pour les jeunes. En veulent trop. Je suis fan absolu du style de Catherine Arden, mais vraiment, grande découverte. Je kiffe, quoi. Je savoure. C'est vraiment une lecture qui se savoure. Pourtant, j'ai envie de tout dégommer là. Donc, je pense que je vais continuer ma lecture tranquillement. Mais je suis. Enfin, c'est une relation entre Vassia et Morosko qui s'installe tout doucement. Donc, on sent vraiment qu'il y a un enjeu pour lui. Je vous en dis pas plus, mais il y a vraiment un enjeu pour lui par rapport à elle. J'ai l'impression que Catherine Arden évoque un tout petit peu aussi, en filigrane, quelque chose autour de l'asexualité avec un A privatif, de l'aromantisme avec un A privatif également. Bon, je ne suis pas du tout spécialiste de catégorie LGBT. Mais je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans. Je me faisais la réflexion, en fait, par rapport à la manière dont elle rejette à la fois le rôle qui lui est dévolu et la manière dont elle perçoit Morosko. En fait, elle est en train de se pâmer en se disant « Oh, il est tellement beau !» Donc, c'est pas une gourde, c'est très bien. Mais du coup, c'est une interprétation que je fais. Je suis pas sûre. Je les ship à mort. Je les ship vraiment à mort tous les deux. Je trouve que leur relation est très belle. Et on sent en fait que il y a eu d'autres filles avant, pour Morosko. Et en fait, ce qu'il aimerait, c'est que ces certaines filles-là, particulières, se souviennent de lui. Mais avec Vassia, c'est différent. Et je trouve ça touchant quand il y a quelque chose. Il y a beaucoup de discussions aussi entre Morosko et son cheval, et sa jument, et entre Vassia et Soloveil, son cheval. C'est trop drôle, quoi. On voit beaucoup aussi de. Il y a un autre personnage qui est arrivé, on ne sait pas trop d'où il vient. Qu'il soutient parce qu'il y a la dame de minuit, donc il y a la dame de minuit et il y a la dame de midi. Donc la dame de minuit, elle n'est pas apparue, mais la dame de minuit est apparue. Elle a dit à Vassia qu'elle était là pour la surveiller trois fois, qu'elle va venir trois fois pour voir comment elle va. Elle n'est pas supposée lui donner conseil, l'orienter, mais elle l'a fait. Et en fait, Vassia se souvient des contes que Dunia leur racontait. Et en gros, la dame de minuit et la dame de midi, c'est pas des gentils. C'est pas forcément des méchantes non plus. Mais, c'est méchance, quoi. Je pense qu'elles sont profondément chaotiques.
Sauf que là, Vassia se méfie quand même. Mais la dame de minuit peut lui donner de bons conseils. Et c'est bizarre. Il y a un truc pas net. Et je vais vous laisser, je vais commencer la troisième partie. Je vais pas lire beaucoup, hein. Je pense que je ferai un autre checkpoint si j'arrive à lire la moitié de la troisième partie, qui est la plus longue. Et je ferai peut-être le vlog demain parce que il est quasiment 1h du mat. À tout à l'heure. Salut! Donc, on est dimanche 17 décembre. On arrive tout doucement à l'heure de l'apéro et j'ai lu la moitié de la troisième partie de La fille dans la tour, ce qui représente à peu près la moitié du livre. Alors là, le truc que je trouve intéressant dans cette partie-là, en fait, Vassia, elle formule l'envie de au roi de l'hiver. Elle dit qu'elle ne veut pas, elle veut pas retourner chez elle parce que on lui donnerait un époux. Elle n'en veut pas. Elle ne veut pas. Elle voulait pas spécialement aller à Moscou non plus parce que parce que ça serait la même chose. Donc elle a voulu parcourir le monde. Donc je pense que je répète un petit peu ce qui s'était passé dans la deuxième partie. Là du coup on est sur Vassia qui a un peu parcouru le monde, etc. Et on retombe sur nos pattes de la première partie avec dans le monastère de où était Sacha, donc Alexander. Ça, c'est une petite gymnastique à faire en fait. C'est avec les prénoms des personnages, il y a le surnom qui va aussi. Donc Alexander, Sacha, Vasilissa, Vassia. C'est Vassia qui est un surnom à la fois masculin et féminin, ce qui va lui servir. Donc, on retombe sur nos pattes d'Alexandre, donc de Sacha, qui était le frère moine de Vassia, qui était au monastère, et avec l'arrivée du garçon et des trois filles. Donc, il y a une fille qui doit être adolescente, en âge d'être mariée, et deux qui sont plus jeunes, qui doivent avoir 7-10 ans, un truc comme ça. Et donc, on sait comment... comment en fait ce cavalier, ce jeune garçon, est arrivé à récupérer ces filles-là. Donc je trouve qu'on effleure un petit peu si c'est... Il me semble bien que c'était des faits historiques parce que c'est des trucs que j'avais entendus sur la vidéo des mots de l'imaginaire, je vous la mettrai en barre d'infos. Il me semble bien que ce sont des faits historiques. Comme je vous ai dit, je sais pas trop, j'y connais pas grand-chose. Je sais pas trop à quelle époque c'était, etc. Mais peut-être que je creuserai un petit peu, lire un article ou deux. Donc, les Mongols, ce sont les Tatars. Nous, on les appelle les Mongols, mais à l'époque, ou peut-être que c'était un terme russe. Enfin, ce sont bien des Tatars qui allaient du coup attaquer des villages, raser des villages, récupérer des gamines et ils partaient. On ne sait pas plus que ça leur motivation. Et donc, Vassia, elle a récupéré trois gamines qui avaient été enlevées. Ils sont tombés, donc elle est retournée au monastère. Et en retournant au monastère, bah, elle est obligée de se présenter comme un garçon. Et il y a un match de l'OM, donc vous devez entendre les cris de douleur de mon homme. Donc elle est obligée de se présenter comme un garçon parce que c'est un peu la honte absolue pour une fille de s'habiller comme un garçon, d'être toute seule sur les routes et compagnie, c'est une proie facile. Là d'ailleurs, je ne sais pas si c'est vraiment un reflet de l'époque ou pas, mais... En filigrane aussi, il y a le danger que ça peut représenter pour une fille qui n'est pas mariée de ne pas être sous la protection de quelqu'un et de pouvoir subir tout ce qu'une fille non protégée et qui n'est pas forcément en capacité de se protéger peut subir à l'époque ou maintenant. Et c'est là on est plus sur on était plus sur quelque chose autour de l'action et le truc qui est super cool, c'est que Vassia en fait a montré ses capacités de guerrier, enfin guerrier. Elle sait se servir d'un couteau parce que le roi de l'hiver l'a appris, mais donc elle passe facilement pour un garçon, donc un adolescent.
parce qu'elle est longue et élancée. Et puis après, à vivre sur les routes aussi, bon, elle est peut-être pas musclée non plus, mais enfin, on va dire qu'elle, c'est pas un manche non plus. Elle a un petit peu de muscle. Et le truc qui est un peu inquiétant pour elle, c'est qu'elle a attiré elle a attiré l'attention du prince Dimitri. Il me semble bien que le prince Dimitri, c'est le prince qui est régnant. J'ai pas l'impression qu'il fasse grand-chose. Et là, il commence. Enfin, donc, elle a attiré l'attention de cet homme-là. Elle a acquis, pour sa bravoure, le surnom de Vassili le Brave. Donc, Vassili ou Vassia, et Vassilissa comme prénom féminin qui est pour le moment écarté. Et elle retrouve sa sœur. Donc, sa sœur Olga, ou Olia, qui a été mariée aussi à un prince qui n'a pas l'air d'être dans le coin. C'est pas un prince régnant, donc il fait partie, je pense, de la famille royale ou princière, mais il n'est pas régnant. Et là, on sent vraiment que dans la fratrie, là, il y a Olia, enfin, il y a Olga, il y a Sacha. Ils ont encore une petite sœur au village. Je me demande si le garçon, ils ont un autre frère aîné, qui doit être au village aussi. Et je pense qu'il était marié et tout ça. Je ne sais plus s'il est vivant, lui. Mais en tout cas, pour Olga et Sacha, donc le moine, ils sont tous les deux très embarrassés par cette sœur-là. Parce que le mensonge fait que bah, elle est force... Vassia est obligée de continuer à faire mine d'être un garçon. Sauf que ça va poser des questions sur bah, comment je fais pour aller me laver. J'ai quand même l'impression que les bains sont plutôt publics. Faut qu'elle continue à porter des vêtements de garçon. Faut pas que, comme le prince, il l'a apprécié. Est-ce que lui, il apprécierait de savoir que pendant quelques jours, voire quelques semaines, on s'est foutu de sa gueule et on lui a menti? Que ce soit Vassia, mais aussi Sacha. Il y a un autre prêtre, Rodion, là, qui est dans le truc. Le frère Constantin, l'espèce d'illuminé, là, qui parle des. Il continue un peu à baver sur les sorcières et compagnie. Je me dis que les deux dans la même ville, ça craint sérieusement, parce que lui, il va la reconnaître. Et en plus, il la désirait. Donc lui, il va la reconnaître sûr. Et le truc que je trouve intéressant aussi, c'est que Vassia, par rapport à la mort du père, elle n'a pas tout dit, parce qu'elle ne pouvait pas. Parce que bah, il l'aurait pas cru. Peut-être que Sacha, je pense que Sacha l'aurait cru. Mais en fait, ceux qu'elle fréquente, que ce soit les esprits de la nature ou du foyer ou la dame minuit, il y a eu bah, le roi de l'hiver évidemment. Ça va tellement à l'encontre de la religion en place. Vassia ne peut pas tout dire. C'est pas possible. Et le truc qui est intéressant, c'est que du coup, sans être complètement identique, la version que Vassia a donnée de la mort du père et la version que le frère Constantin a donnée également se rapprochent. Mais au final, Olga et Sacha se disent, ça veut dire que les deux mentent en gros. Et là, on a aussi dans la petite cour d'Olga le fait que Constantin, il commence à prendre de la place. Il y a une gouvernante ou une suivante qui n'arrête pas de parler de lui, de ce qu'il dit des sorcières et compagnie. Franchement, Vassia à Moscou, pour moi, elle est en danger. Oui, elle peut pas partir comme ça tout de suite, mais pour moi, elle est clairement en danger. Et où est-ce qu'elle va? Sinon, soit elle reste à Moscou. Son statut de femme va finir par être découvert, donc on va lui proposer d'être au couvent ou d'épouser quelqu'un, ce que Olga propose, mais sauf que il n'y a pas de Vassia pour le moment, c'est que Vassili est un garçon, il n'y a pas de sœur, il y a un frère. Et soit c'est la mort, ce qu'avait dit Vassia, si elle retourne dans son village. Bon, il n'y aura peut-être pas la mort, mais ça va être plus ou moins la même, parce que soit elle se marie, soit c'est le couvent, super. Mais quoi? Qu'est-ce qu'elle va devenir? Parce que c'est une. Ça, c'est une thématique que j'aime énormément dans les histoires, qu'elles soient les bouquins, les films, les séries, etc. C'est ceux qui ne rentrent pas dans les cases. Qu'est-ce qu'on en fait? Et qu'est-ce qu'ils font d'eux-mêmes?
Parce que ce soit par rapport à ton origine sociale, ta biologie, biologiquement, si tu es un homme ou une femme, par rapport à ta famille, la société a certaines attentes par rapport à toi, ou ce personnage. Comment qu'on fait si la personne ne rentre pas là-dedans? Si ce qu'on lui propose, elle n'en veut pas. Comment fait ce personnage-là? Comment fait son entourage? Quelles conséquences ça peut avoir de ne pas rentrer dans ces cases-là? Parce que à certaines périodes, ne pas accepter le rôle qu'on donnait à quelqu'un, ça pouvait sérieusement craindre du boudin, parce que ça veut peut-être dire tout bêtement qu'il n'y a pas d'autre rôle. Donc pas d'autre rôle, c'est quoi? On touche un peu aussi à l'identité de la personne. Comment se construit quelqu'un dont les valeurs ou l'identité vont à l'encontre de ce qu'on attend de lui? Je trouve que moi, c'est une thématique qui me passionne. J'adore ça, j'aime beaucoup lire là-dessus, j'aime beaucoup écrire là-dessus aussi. Ça me fait penser par exemple au personnage de Sirius Black dans Harry Potter, qui naît dans une famille de sang pur, une famille quand même plutôt de la noblesse sorcière, une famille raciste envers les sorciers qui ne sont pas de sang pur, donc raciste envers les sang-mêlés, envers ceux qui sont nés de moldus, envers les moldus et compagnie. Et Sirius, il gerbe tout ça. Toutes ces choses-là, il n'en veut pas. Il n'y croit pas, donc il est dans la provoque et compagnie. Mais à un moment, jusqu'à où tu peux être dans la provoque? Parce qu'au final, ce mec-là, dans sa famille, il était tout seul. Le seul soutien qu'il avait, c'était Alphard, un de ses oncles, qui est pas vraiment exploité, enfin pas du tout, et il est juste nommé dans la saga qui le soutenait et qui l'a fait hériter a fait hériter Sirius à son décès. Mais donc, grande question, vous avez 4 heures. Comment fait un personnage ou même quelqu'un qui ne peut pas répondre aux attentes qu'on lui porte et dont le rôle qu'on lui destine, ça ne lui va pas du tout? Comment il fait? Est-ce que ça veut dire je m'extrais de mon milieu social ou milieu familial ou de mon pays, je fais des concessions? Qu'est-ce que fait cette personne-là? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Bon, allez, on va se retrouver tout à l'heure. Je vais continuer ma lecture et franchement, je pense que je vais enchaîner sur le 3, sauf que je diffuserai en janvier ou février. Probablement février pour que vous ayez eu le temps de peut-être d'oublier un petit peu ou d'acheter les bouquins ou je sais pas, ou de les lire même, hein, on sait jamais. En tout cas, c'est vraiment une lecture que j'apprécie beaucoup. Ça me fait plaisir aussi de le faire sous cette forme-là. Et j'attaquerai aussi un autre livre, mais qui est un gros bébé. Lui, c'est Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon, si je ne me trompe pas, que j'ai commencé à lire il y a quelques semaines, mais j'en ai lu une centaine de pages sur quasiment 1000. Et c'est pas que j'accrochais pas, c'est que je pense que c'est un livre où il faut prendre son temps. Et des fois, j'ai un peu des soucis de concentration. Et en fait, je me suis arrêtée, donc j'ai oublié. Donc je recommencerai. Et je le lirai avec vous, probablement en faisant des petits points d'étape comme ça aussi. Mais je les rythmerai, peut-être je les couperai. Je couperai le bouquin, je sais pas en combien. Toutes les 100 pages, toutes les 200 pages, on verra. Donc voilà, à tout à l'heure! Salut par ici, c'est tout auréolé de lumière que je viens faire un petit point sur la troisième partie. J'ai tout lu, oui, j'ai lu la troisième partie en entier de La fille dans la tour. Je suis toujours aussi fan. Mon chat se demande pourquoi je parle toute seule. D'habitude, quand je parle toute seule, j'ai ça au téléphone, j'ai ça dans la main. Vous avez vu qu'il est tard. Bref. Là, on est plus allé dans les intrigues de cour et Constantin, le prêtre qui avait essayé de provoquer un peu la perte de Vassia, a commencé à prendre. Je me mets de la crème. A commencé à prendre son rôle. Il est complètement malade, ce mec. Ben, comme on peut s'en douter, Vassia qui avait pris l'identité de Vassili, donc d'un garçon, du petit frère de Sacha,
a été découverte. Et je me demandais du coup, je crois que je ne l'avais pas dit dans les précédents vlogs, mais dans les précédents checkpoints, qu'il y a un personnage, je me demandais s'il n'était pas aussi, s'il faisait pas partie de la mythologie slave, ou s'il n'était pas le diable, pourquoi pas. Donc j'ai eu ma réponse, je n'en dirai pas plus. Et disons que la fin de la troisième partie laisse Vassia dans une jolie merde, franchement. Donc à se demander un peu comment elle va s'en sortir, parce qu'elle en a appris plus sur elle, sur sa mère qui avait des pouvoirs, sur sa grand-mère aussi. Je crois que la grand-mère c'était Tamara et la mère Marina. Donc la grand-mère, il y avait une légende selon laquelle elle était rentrée sur un cheval à moitié, enfin peut-être pas dévêtue mais pas habillée pour être dehors en plein hiver à Moscou. Et en fait le prince régnant était tombé amoureux d'elle, l'avait épousée. Elle a juste eu le temps d'avoir un enfant, Marina, avant de s'étioler. Et on disait qu'elle était sorcière, etc. Et donc, eh bien, Vassia en apprend plus sur lui. Vassia a rencontré une autre créature aussi, qui, je crois qu'elle ne l'a pas nommée, qui était assez effrayante et fantomatique. Et à Moscou, en fait, Morozko, je me trompe peut-être de nom, hein. Comme les noms sont russes, je ne suis pas trop habituée. Le roi de l'hiver l'avait prévenu qu'il était moins puissant à Moscou parce qu'il y avait beaucoup d'églises là-bas. Et Vassia s'était rendu compte du coup que les domovoy, les banniques et tout ça, les esprits de la nature, on va dire, ou du foyer, étaient moins puissants également. Mais ils sont toujours là. Et Vassia les voit, elle interagit avec eux. Et sa nièce, Maria, Macha, les voit également. Et le truc que je trouve, bon, c'est pas dommage, mais c'est parce que c'est comme ça, c'est qu'en fait, ces filles qui interagissent avec des esprits anciens de l'ancienne religion, elles sont muselées parce que la nouvelle religion prend le pas dessus. Et donc je trouve ça super triste, parce que soit elles se font passer pour folles, soit on les prend pour des folles, soit on les prend pour des sorcières, on les crame, ou alors on les marie, il faut qu'elles soient muselées, ou alors elles vont dans les couvents ou on les tue, quoi. Donc il y a un côté quand même assez fatal, ce que je l'avais déjà dit auparavant. Pardon. Et en termes d'intrigue de cour, ça a l'air d'être un sacré bordel aussi du côté des Tatars, donc des Mongols. Je vous dirai pas plus là, mais on a su un petit peu plus. Et Félicie se demande toujours pourquoi je parle toute seule. Et c'est vraiment top. J'aime beaucoup ce que je lis. Par contre, comme je commençais un peu à avoir mal au crâne et j'ai dû lire 150-200 pages là, je fais une pause. Je finirai la lecture demain. Et je finirai du coup le vlog demain. Et je sais pas si j'enchaîne ou pas. En tout cas, je ne vais pas laisser passer 2 mois, ça c'est sûr. Je pense que je lirai assez rapidement. Donc peut-être que je vais lire le tome 4 de Percy Jackson en attendant. Et après le tome 3 de la trilogie de Nuit d'hiver. Parce que je crois que j'ai pas la foi d'essayer de lire Le Prieuré de l'Oranger. Parce que c'est un gros bébé. C'est pas parce que ça m'a pas plu, ce que ça m'a plu. J'ai bien aimé le style et compagnie, mais je pense que je vais me le garder pour l'année prochaine. Donc voilà. C'est une très bonne lecture, je pense que ça sera un coup de cœur. Oh, mais j'ai pris quelques citations, je vais vous les lire. Parce que j'ai oublié de le faire tout à l'heure. Vassia qui dit au roi de l'hiver, vous êtes immortel. Et peut-être que je vous parais minuscule, finit-elle par reprendre avec férocité. Mais ma vie n'est pas un jeu. Capuche tombée, Olga,
la sœur de Bastia, put enfin voir sa petite sœur pour ce qu'elle était devenue, une petite fille étrange et impossible, devenue une femme étrange et impossible. Là, je pense que c'est une citation du prêtre Constantin, donc l'ennemi de Bastia. Qu'elle soit morte est peut-être préférable. Les bonnes et les mauvaises branches peuvent pousser sur le même arbre, et ta sœur est au moins morte avant d'avoir pu faire plus de mal. Donc là, on voit bien toute la diabolisation des sorcières, entre guillemets. Le prince qui dit aussi, mais je ne laisserai pas à mon fils une ville en cendres. Bastia, cela va avoir une fin, se dit Bastia. Un jour, ce monde de merveilles, dans laquelle la vapeur d'une maisonnette peut être une créature qui énonce des prophéties. Un jour, il n'y aura plus que des cloches et des processions. Les tchorti seront une brume, un souvenir, une ondulation dans les champs d'orge de l'été. Donc franchement, c'est toujours une aussi belle lecture. Je suis vraiment très contente d'avoir découvert cette série, et je vais certainement suivre ce que Catherine Ardenne fera prochainement. Je suis vraiment très fan. Je vous le recommande chaudement, surtout pour ceux qui sont très fans des contes, récits un petit peu médiévaux, où on interroge la place de la femme, sur la mythologie slave, ce qui se passe en hiver. Je sais pas si je vais pas enchaîner. Il est tard, hein, j'ai mal à la tête, je suis fatiguée. Mais je sais pas. On va voir. Je vous dirai demain. Enfin, juste dans quelques secondes pour vous. Allez, à tout de suite. Bonjour. Je l'ai fini. Donc, je l'ai fini tout à l'heure. Il restait plus beaucoup de... on est lundi 18 décembre. Il est quasiment 5h30. Et je l'ai fini il y a peut-être une petite heure. J'ai voulu un petit peu redescendre, entre guillemets, parce que j'ai un petit peu eu envie de chialer à la fin quand même. Et il me restait pas beaucoup de pages, il m'en restait une quarantaine ou une cinquantaine, donc ça se lisait assez vite, c'était 3-4 chapitres, que j'ai lu en numérique parce que c'est plus facile. Et donc, tout bien dans mon canapé avec mes chats à côté de moi. je pense que la trilogie en entier va aller gentiment dans ma petite étagère coup de cœur. Et je pense aussi, je le prédis même, que Catherine Ardenne va rejoindre mon panthéon personnel où il y a, sur la même étagère on va dire, il y a Tolkien, enfin J.R.R. Tolkien, je ferme le volet, il y a George Martin, et Neil Gaiman et Christelle Dabos. C'est vrai que ça manque un petit peu de filles, donc une deuxième fille vient de rejoindre les garçons, donc c'est pas mal. Donc qui serait la prochaine à voir? Ce qui fait que le premier vlog lecture concernait L'ours et le rossignol, le premier tome de la trilogie d'une nuit d'hiver. Là, je suis en train de clore le vlog sur La fille dans la tour, qui est le deuxième tome de la trilogie d'une nuit d'hiver. Et il restera le troisième et dernier tome de la trilogie d'une nuit d'hiver, à savoir L'hiver de la sorcière. Je suis en train de me retenir très fortement de ne pas tout bouffer tout de suite. Mais je pense que je ne vais pas laisser passer beaucoup de temps entre la lecture du deuxième et du troisième, parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié pas mal de choses entre le premier et le deuxième. Notamment, il y a pas mal de prénoms qui m'avaient échappé. Et aussi à savoir qui est vivant, qui c'est qui est mort. Là, j'avais des choses qui m'ont échappé, où je me souvenais plus, où des fois le bouquin me mettait le doute aussi. Alors, le tout petit, c'est pas du tout un reproche, mais l'avertissement que je donnerai au lecteur par rapport à cette trilogie, je pense qu'effectivement, il faut la lire dans un laps de temps assez réduit, parce que la difficulté qu'il peut y avoir, c'est au niveau du nom des personnages. Catherine Ardenne, au début... au début de ses livres, elle écrit une note sur les noms russes
Je vais vous la lire. Les conventions russes en termes de nom et d'adresse, si elles ne sont pas aussi compliquées qu'on pourrait le croire, méritent néanmoins une explication. Un nom russe moderne est constitué de trois parties, le prénom, le patronyme et le nom de famille. Dans la Russe médiévale, les gens n'avaient généralement qu'un prénom ou, dans l'aristocratie, un prénom et un patronyme. Les prénoms et les surnoms. Le russe est extrêmement riche en diminutifs. Chaque prénom russe peut se décliner en un grand nombre de surnoms. Le prénom Yekaterina, par exemple, peut être abrégé en Katerina, Katia, Katyusha ou Katenka, entre autres. Ce qui veut dire qu'il y en a d'autres. Ces variations sont interchangeables selon le degré de familiarité et l'humeur du moment. Donc là, elle donne des exemples de prénoms. Alexander, Sacha. Donc Alexander, c'est le frère moine de Vassia. Dimitri, le prince régnant Mitya. Missia, je ne sais pas comment on dit, Vasilissa, Vassia, Vasoshka, Rodion, Rodia. Rodion, c'était un des moines qui est proche de Sacha. Le patronyme. Le patronyme russe d'une personne est toujours issu du prénom de son père. Il varie selon son sexe. Par exemple, le père de Vasilissa s'appelle Piotr. Son patronyme, dérivé du prénom de son père, est Petrovna. Son frère Alexandre, lui, emploie la forme masculine, Pietrovitch. Pour marquer le respect en russe, l'on n'emploie pas monsieur ou madame. On s'adresse à quelqu'un en accolant son prénom et son patronyme. Ainsi, un étranger qui rencontrerait Vasilissa pour la première fois l'appellerait Vasilissa Petrovna. Dans la Russe médiévale, lorsqu'une femme de la noblesse se mariait, elle changeait son patronyme pour un autre dérivé du prénom de son époux. Ainsi, Olga, qui était de naissance Olga Petrovna, est devenue Olga Vladimirova, et la fille d'Olga et de Vladimir est appelée Maria Vladimirovna. Alors que Ova, c'est épouse d'eux, et Ovna, fille d'eux. Ce qui fait que, je pense, il y a quelques prénoms clairement que j'ai mangé entre le premier et le deuxième tome, parce que j'ai dû laisser passer un mois et demi à peu près dans la lecture entre les deux. Donc je pense, si vous êtes des lecteurs assez rapides, essayez de vous les bouffer un week-end, ou une semaine, ou un mois, mais lisez les trois assez rapidement. Maintenant, on va parler du contenu. Alors, je trouve que comme le premier livre, on a et c'est assez logique en fait, hein, dans ce type de récit, on a une montée en puissance de l'action. On a un moment où, enfin moi je me suis dit clairement que je savais que Vassia, elle allait pas mourir, mais à un moment on se pose la question de « t'es vraiment bien dans la merde là, comment tu vas faire ?» Pareil pour Sacha, pareil pour Olga. Et le truc qui est très bien, je trouve, dans les livres de Catherine Arden, c'est qu'elle n'utilise pas le « fuck it's magic ». C'est beaucoup plus travaillé que ça. Et c'est travaillé dans une cohérence avec le folklore russe et les contes. Avec une forme de magie de là-bas. Mais c'est une forme de magie je vais rester vague sur le sujet. C'est une forme de magie qui va vous être familière parce que vous l'aurez lu ailleurs. Peut-être notamment d'ailleurs chez Libard Hugo, pour le Grishaverse, en plus récent. Si je réfléchis un petit peu, je trouverai d'autres exemples, mais j'ai pas envie de réfléchir. Je pense qu'on peut peut-être trouver ça aussi du côté de Neil Gaiman dans American Gods. Et Neverwhere. Donc oui, pourquoi je parle aussi de Neil Gaiman? Je pense que si vous aimez les contes, les bouquins où on se pèle le cul, la mythologie, un petit peu d'histoire, parce que l'histoire est présente, mais elle s'appuie sur l'histoire avec un grand H, sans que ce soit au centre de son récit. Le centre de son récit, c'est bien les contes. Et là, je pense bien qu'il y a dû avoir des échauffourées entre les Tatars, donc les Mongols, et les Russes à un moment, et Moscou a failli cramer aussi à un moment. Mais si vous voulez, on n'est pas du tout dans la recherche de l'exactitude historique. D'ailleurs, elle fait un disclaimer à ce sujet sur la fin. J'ai envie de vous lire sa note d'auteur. Note de l'autrice, je vais vous la lire.
Après, je vais partir sur ce que j'ai pensé de la fin. Donc, j'ai failli en chialer, je vous jure. Les terres ocre et glacées de la Moscovie médiévale ne sont pas nécessairement le décor le plus évident pour un conte de fées. L'environnement et l'époque étaient violents, complexes et fascinants. Mais la structure du conte de fées, qui fait la part belle aux méchants et aux princesses, ne laisse pas toujours suffisamment de marge pour les infinies nuances qui seraient nécessaires pour rendre réellement justice à ces lieux et à cette époque. Il faudrait un roman bien plus long et bien plus ambitieux que La fille dans la tour pour dépeindre fidèlement les conflits, les renversements d'alliances, les ambitions des moines, prêtres, marchands, paysans, princesses, nonnes et cultes qui ont composé cette époque incroyable et si peu documentée. Je me suis efforcée dans ce livre de me montrer rigoureuse. Je me suis efforcée de mentionner, ne serait-ce que par allusion, la complexité des grands personnages et des hommes politiques de l'époque, quand je ne pouvais pas les décrire plus précisément. Parce que là, il n'y avait pas de... soit les recherches étaient impossibles parce qu'il n'y a pas beaucoup de traces écrites, soit elles se seraient embarquées dans des tonnes de recherches. Et je comprends totalement Je ressens vraiment son amour pour les contes et le folklore russe. Et ce qui justifie en fait le fait que ses recherches sont peut-être moins étendues que si c'était un roman historique, et on n'est pas dans un roman historique. J'ai voulu rester fidèle aux contes de fées qui sont l'élément fondateur, sans rien perdre des lieux et d'une époque que j'en suis venue à aimer. Ça se sent. J'ai fait de mon mieux. Pour les erreurs et inexactitude, je suis sincèrement désolée. Il existe de nombreux livres pour ceux qui voudraient en apprendre plus sur cette époque. J'aimerais recommander Medieval Russia 950-1584 de Janet Margaret, 2007 Cambridge University Press, dense et fascinant. J'ai également beaucoup appris de Russian Folk Belief de Linda Ivanitz chez Routledge en 2015. Le Domostroï, le ménager, est l'une des rares sources contemporaines. C'est un manuel de règles domestiques écrit un tout petit peu après les événements de ce roman, autour de l'époque d'Ivan le Terrible. Tout cela pourra aider ceux qui voudraient plus de détails historiques, comme toujours. Merci de m'avoir lu. Moi, je suis. Parce que vous voyez, quand il y avait vraiment un coup de cœur où je sentais qu'il y avait une connexion avec l'autrice, c'était par exemple pour quand j'ai terminé Raison et Sensibilité, où j'étais. J'ai fait une petite pause aussi avant de reprendre la parole parce que bon, fallait que je redescende. J'ai eu ça aussi pour Christelle Dabos et La Passe Miroir. Gros, gros coup de cœur. Et là, il reste un livre. Donc. Pour le moment, on va dire que c'est une excellente lecture. Je ne sais pas encore si c'est un coup de cœur. Je pense que ça le sera. Je pense que je ne serai pas déçue. Je le sens. Donc là, dans la dernière partie, parce que je papote, ça fait déjà 12 minutes et j'ai toujours pas dit ce que j'en ai pensé. Comme dans le premier livre, il y a une espèce de. Il y a un moment où Vassia est en grand danger, où on se dit, ouais, elle va y passer, quoi, c'est pas possible. Il y a un moment aussi, comme dans le premier livre, où Morosko, le dieu de l'hiver, qui est aussi le dieu de la mort, est plus éloigné, et où Vassia, du coup, qui est quand même une femme libre, donc libre, qui a un libre arbitre, qui l'utilise comme elle le souhaite, etc. Vassia, en fait, prend des décisions. Elle est impulsive, elle est courageuse, elle est téméraire même. Et elle prend des décisions pour protéger son peuple, donc protéger les Russes. Sachant que donc ils ont eu ils ont su ce qui s'était passé par rapport à ces attaques de Tatars sur des villages, sur les villages incendiés, sur les filles enlevées. Ils ont su le qui et le comment. Ils n'ont pas vraiment, ils ont, je pense qu'ils n'ont pas l'ensemble du pourquoi. Donc je pense que le reste du pourquoi sera peut-être là. Oui, je pense. Je vous lirai après le pitch du 3. Je pense que le pourquoi, on va l'avoir plus tard. Parce que pourquoi enlever des filles, des petites,
Ils ont enlevé des petites Indes, vraiment quasiment des bébés, quoi, des gamines de 3 ans jusqu'à des gamines adolescentes, donc en âge de se marier à l'époque. Elle a en fait mêlé tout le côté folklorique, mythologie russe à des événements historiques de l'époque. Je pense que le grand incendie de Moscou, ça devait être de l'époque. Franchement, j'ai vraiment envie de regarder de regarder un petit peu au niveau historique. Parce qu'à mon avis, elle s'est quand même bien, elle s'est bien documentée, elle sait de quoi elle parle. Ça, j'en suis persuadée. Ça se sent, et ça fait sérieux surtout, ça fait crédible. Le fait de faire des recherches, de savoir de quoi on cause, ça a un potentiel d'augmentation de la crédibilité et de la légitimité d'auteur qui est faramineux, je pense. C'est ce que j'ai envie de faire. Hein. Gabi ronfle. Regardez, elle fait du tout. Elle fait du tout, elle est fatiguée. Mais elle a pris la place de Félicie, qui est là. J'ai comparé Catherine Ardenne à Neil Gaiman. Pourquoi? Parce que je trouve que l'idée des dieux, des divinités, des esprits, l'esprit des bains, l'esprit du foyer, tel qu'elle les décrit, ça rejoint beaucoup ce que Neil Gaiman a développé autour des dieux, des leprechauns, un kobold aussi, il me semble, dans American Gods. Et puis ses livres suivants, dans Anansi Boys, dans Le Monarque de la Vallée, dans Le Dogue Noir. J'ai l'impression que je passe pas une vidéo sans parler de Neil Gaiman. Au cas où vous l'auriez pas compris, je suis un petit peu fan. Oui, ma Félicie, tout va bien. Et si vous voulez, je sais pas si Catherine Ardenne, elle lit Neil Gaiman, mais. Comme je suis leur Insta à tous les deux, je suis limite en train de me dire, j'enverrai bien un MP, un message privé à Neil Gaiman pour lui dire de lire Catherine Ardenne et réciproquement. Au fait, non mais c'est vraiment super. Je suis même en train de me dire, moi, ces livres-là, en adaptation, mais c'est truc de folie. Pas forcément sur une... Peut-être une série télé. 3 saisons. Poum, torché. Faites-le. Mais franchement, oui, carrément. Carrément, c'est hyper visuel. Les descriptions sont de tarés. Attendez, je vais vous lire ce que j'ai pris quelques notes. Ça, je vous le lis quand même. À mon avis, c'est une prophétie, donc c'est un petit spoil pour le livre suivant. Mais Constantin, donc Constantin, c'est le prêtre qui désire Vassia, qui l'a traité de sorcière, et qui a failli la faire cramer dans le premier livre. Constantin s'était redressé si brutalement que sa vision s'était de nouveau enténébrée. Tu as été touché par le dieu borgne, lui avait annoncé le banique, le dévoreur. Alors tu nous vois. Je n'en avais plus vu un comme toi depuis fort longtemps. Son corps gras, nu et vaporeux, s'était renfoncé sur son banc. Te plairait-il d'entendre une prophétie? Le corps entier de Constantin s'était couvert d'une sueur glacée. Arrière, démon, retire-toi! Le banique n'avait pas bougé d'un pouce. Tu seras grand parmi les hommes, avait-il malicieusement annoncé au prêtre, et tu n'en tireras que des horreurs. À mon avis, il ne va pas finir bien, ou alors il va faire des trucs affreux, ou les deux. Un autre petit truc, Sacha, donc le moine, le frère de Vassia, Sacha regarda sa sœur. Il ne l'avait jamais trouvée délicate, mais toute douceur avait disparu en elle. Elle n'était plus qu'esprit vif, membre robuste, avec une présence farouche presque provocante malgré les lourdes robes encombrantes. Elle était à la fois beaucoup plus féminine qu'elle ne l'avait jamais été et beaucoup moins. Une sorcière. Le mot lui était apparu de lui-même à l'esprit. C'est ainsi que nous appelons ce genre de femme, parce que nous n'avons pas d'autre nom. Alors, je trouve que c'est une excellente définition de la sorcière. Parce qu'au final, une sorcière, c'est quoi? C'est une femme qui n'est pas là où on l'attend, je pense. Là, c'est un des prêtres qui est décrit comme un saint, j'ai perdu son nom, qui décrit Vassia. Quand je l'ai rencontré à Lesnaya Zemlya, donc c'est le village où est née Vassia et sa famille, j'étais perdue sous des trombes d'eau. Elle cueillait des champignons aussi trempés qu'un esprit des eaux et chevauchait sans harnais. Je savais que ce n'était pas une fille faite pour le couvent. Mais là, son frère lui répond, Sacha répond,
Elle est elle-même, pour le meilleur et pour le pire, et il appartient à Dieu de la juger. Mais dans ce cas précis, je vais lui faire confiance. Là, j'adore. Dans le côté où Vasya, en fait, elle ose et elle a interpellé le Dvorovoy, qui est l'esprit de la cour. Donc, c'est un esprit qui est plus rare, mais elle avait besoin d'aide. Que voudriez-vous que je fasse? Demanda le Dvorovoy avec méfiance, en reniflant son sang. Il était plus ce cher que neige maintenant. Vasya lui sourit férocement. Du bruit, répondit-elle. Réveillez ce maudit palais. Le temps du silence a passé. Alors, il y a une toute petite citation que j'aime bien parce que ça peut être un sacré prompt. Un grand rire lui répondit, puis le silence. Oui, elle est en train de ronfler à mort, t'inquiète pas. Dame, minuit a dit que vous m'aimiez. Donc ça, c'est un dialogue entre Vasya et Morosco, le démon du gel, le roi de l'hiver. Dame, minuit a dit que vous m'aimiez. Aimer? Comment? Je suis un démon et un cauchemar. Je meurs chaque printemps et je vivrai toujours. Elle patienta. Mais oui, admit-il d'un ton là. Je t'ai aimé comme faire se peut. Maintenant, vas-tu partir? Vie. Elle répond. Moi aussi, à ma façon enfantine, comme les petites filles aiment les héros qui viennent dans la nuit, je vous ai aimé. Alors revenez avec moi et mettez fin à tout cela. Elle attrapa ses mains et tira, avec toutes les forces qui lui restaient, avec toute la passion et la colère et l'amour qu'elle avait, et elle les ramena tous les deux dans l'enfer qu'était Moscou. Là, une description de la magie. La puissance était quelque part dans les espaces entre les choses, dans les intervalles entre ses pensées. La magie n'existe pas. Les choses sont ou ne sont pas. Elle était au-delà d'un désir quelconque. Vivre ou mourir n'avait plus d'importance. Elle ne pouvait que ressentir la tempête qui se levait, le vent qui soufflait. Encore un très joli échange entre Vasya et Morosco. Et vous voulez que je vous aime pour que mon amour vous aide à vivre? Oui, l'amour des jouvencelles pour les monstres qui ne disparaît pas avec le temps. Oh, qu'est-ce que j'aime ce livre! Ah non, mais c'est extraordinaire, hein. Je suis impressionnée. Et elle est toute jeune, hein. Enfin elle est toute jeune. Moi, elle doit avoir une petite trentaine, Catherine Arden. Je suis vraiment très impressionnée, très 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 impressionnée. Je suis vraiment très fan. Je vous assure, si vous aimez les contes, la mythologie, Neil Gaiman, les livres où on se pèle le cul, faut y aller. Allez, je vous pitche celui-là parce que autrement je vais rester papoter une demi-heure, 23 minutes. L'hiver de la sorcière, le dernier tome. Moscou se relève difficilement d'un terrible incendie. Le grand prince est fou de rage et les habitants exigent des explications. Ils cherchent surtout quelqu'un sur qui rejeter la faute. Vasya, avec ses étranges pouvoirs, fait une coupable idéale. Parviendra-t-elle à échapper à la fureur populaire aiguillonnée par Père Constantin? Saura-t-elle prévenir les conflits qui s'annoncent? Arrivera-t-elle à réconcilier le monde des humains et celui des créatures magiques? Les défis qui attendent la jeune fille sont nombreux, d'autant qu'une autre menace, bien plus inquiétante, se profile aux frontières de la Russie. L'hiver de la sorcière est la conclusion magistrale de la trilogie d'une nuit d'hiver. On y retrouve la poésie, la magie et la sombre cruauté des contes russes qui ont fait le succès de la série dans le monde entier. Il y a une jolie citation de Alexandre Pouchkine. La vague est belle dans la tempête, le ciel prodigieux privé de ses bleus. Mais sachez-le, sur son rocher, la fille éclipse l'onde, la tourmente et les cieux. Catherine Arden a écrit aussi pour la jeunesse. J'aimerais bien y jeter un œil, un de ces quatre. Là, dans le tome 2 aussi, sur la fin, on frisait l'horreur avec des créatures qui relèvent de la mort. Et de la magie aussi dans ce qui est plus négatif, plus noir. Et du coup, il y avait ce côté très horrifique, comme moins horrifique, je trouvais, que l'attaque du village de Lesnaya Zemlya, qu'il y avait eu dans l'ours et le rossignol, mais c'est chouette là. Bon, allez, je vais m'arrêter là. Sans déconner, c'est bientôt Noël. Je vais diffuser ça sans doute mercredi. Je vais dégager l'autre vidéo que je vais repousser. Très très bon cadeau de Noël. Je vous invite très fortement à les acheter. Ruez-vous dessus. Allez, bisous. Cette vidéo est déjà bien trop longue. Bisous à tous.
À bientôt.